J'ai fait vraiment ce sprint très méchant et tout. Et puis, arrivé à sa hauteur, il m'a affirmé que le ballon était rentré. Bon, franchement, je l'ai cru, je n'ai pu que m'incliner. Et deux minutes après, j'ai vu le ralenti et je lui ai fait signe pour m'excuser, c'est vrai. J'ai commencé au football tout petit, à l'âge de 4 à 5 ans, au CAB. Et puis en même temps, je faisais l'athlétisme. Et ensuite, j'avais, disons, une idole chez les gardiens de but qui était René Vignal. Et j'ai voulu passer un moment, il m'est venu en tête d'essayer d'être comme lui, lui ressembler le plus possible. Alors, à 18 ans, j'ai commencé à prendre vraiment les choses au sérieux, de vouloir réussir footballeur professionnel. Je me le suis mis en tête et j'ai dû quitter la Corse. Et de là, j'ai dû arrêter l'athlétisme et j'ai réussi à Vichy. Les entraîneurs de tes débuts ont joué un rôle important dans ta carrière ? Oui, énormément. Si j'ai commencé dans le football, c'est grâce à une personne qui est Monsieur Vintimille. Je voyais cette personne vraiment vivre que pour une idée, c'était la sienne, c'était de former ces jeunes amoureux de ce club et tout. Et je crois que lui m'a énormément poussé. Ensuite, ça a été tous mes entraîneurs, de Poussin, Pupille, Cadet, jusqu'au dernier entraîneur qui m'a dit, et Monsieur Poggi de la Ligue, qui m'a dit, Pascal, il faut que tu partes parce que tu as des qualités et en Corse, on est un peu coincé. Je crois que là, j'ai un remerciement à donner. C'est à Monsieur Pierre Mosca, qui est entraîneur de Toulouse aujourd'hui. Souvent, j'ai bouclé les valises pour devoir partir et tout. Et puis de là, c'est lui qui m'a retenu. C'est lui qui m'a fait toucher du doigt les qualités que je pouvais avoir pour être professionnel de haut niveau et tout. Et franchement, aujourd'hui, si je suis là, je le remercie beaucoup. Et puis, tout ce qui m'a entouré aussi. Le jour où j'ai dû quitter la Corse, pour moi, c'était vraiment un déchirement. Partir là-bas, j'ai même, quelques mois après, j'ai simulé d'avoir l'appendicite pour pouvoir retourner avec ma famille et tout, pour rester un mois en Corse. Après, bon, je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je réussisse. Je suis resté 3 années à Vichy. Ensuite, quand je suis retourné, que j'ai signé à Bastia, pour moi, ça a été de retourner sur mon île, chez moi, représenter ce drapeau, la tête de mort et tout. Pour moi, ça a été vraiment un soulagement, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Le Sporting, ça a été, dans toute cette histoire, ça a été vraiment quelque chose de fantastique. C'est le Sporting qui m'a donné l'élan pour arriver en première division. C'est eux qui m'ont donné, c'est surtout des gens qui m'ont donné confiance, qui m'ont mis en première division. De là, j'ai fait les sept derniers matchs de Bastia et puis de là, on s'est maintenu en première division. Je me rappellerai tout le temps de ce match à Saint-Étienne. Et puis, c'est vraiment le remercier, c'est vraiment la confiance qu'ils m'ont donnée. Si aujourd'hui je suis professionnel, j'espérais retourner un jour à Bastia. Jouer à Bastia. Jouer, oui. C'est un sanglier corse matiné de taureaux de combat. C'est un animal particulièrement exceptionnel au niveau de sa musculature, au niveau de ses réflexes, de sa vitesse. Et c'est vraiment l'athlète étonnant. Qu'est-ce que vous voulez dire par athlète étonnant ? C'est-à-dire qu'il est capable, avec une morphologie qui est celle d'un Breviling, d'avoir à peu près les mêmes capacités que quelqu'un qui ferait 15 cm de plus au niveau taille. Sa vitesse, sa détente, l'ensemble de ses qualités physiques sont tout à fait exceptionnelles. C'est courant chez un gardien de but ? Pas très, et la plupart du temps, ils ont d'autres qualités. Mais lui a développé les siennes au maximum. C'est-à-dire qu'il aurait pu occuper dans une équipe de football une autre place que la sienne, quoi. Pourquoi pas, oui. Mais une place qui demande du caractère. C'est-à-dire une place soit d'attaquant de pointe, soit de libéraux. Des places qui demandent des qualités particulières au niveau de la force de caractère.
Je pense que c'est d'abord un très très bon gardien de but. Et en plus, il allie les qualités de footballeur avec les qualités humaines. C'est un garçon qui apprécie la vie, qui aime vivre, si vous voulez. Et en plus, je pense qu'il a beaucoup le sens du spectacle. Et ça, dans le milieu du foot, c'est quand même assez rare. Et je pense qu'il faut quand même le souligner. Qu'est-ce que vous appelez le sens du spectacle ? Disons que... Il part la balle au pied, il dribble, il monte. Ça, c'est sûr que les gens aiment ça. C'est sûr qu'il y a des fois, ça peut lui jouer des tours, mais je pense qu'il est assez fort pour passer outre et puis continuer encore. Quand je rentre sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou un match, c'est vraiment avec l'envie de m'éclater à chaque fois et toujours vouloir gagner le jeu que je fais et tout. J'aime pas perdre, c'est un peu dans le caractère et dans mon signe astrologique, c'est un passionné toujours de ce que je fais et tout, et c'est vraiment m'engager à fond. Oui, Colavier, ça prend. Bah, Pascal, pour moi, c'est simple, c'est un des tout meilleurs gardiens de but. En France actuellement, c'est un gars qui sait rassurer une équipe et rassurer surtout une défense. Je crois que surtout avec l'équipe jeune qu'on avait cette année, il fallait un gardien d'expérience et je crois que Pascal a tout démontré cette année. Non seulement il motive bien et derrière il fait son travail parfaitement. Je crois que Pascal pour moi c'est un des meilleurs gardiens en France qu'il y a actuellement. C'est un garçon d'abord qui a un grand cœur et qui motive tout le monde, que ce soit sur le terrain ou en dehors des terrains. Et cette année, on a eu la chance de l'avoir dans les buts. Et je crois qu'on a profité quand même de ses services. On a bénéficié des services de Pascal Lemeta, tout bonnement exceptionnel. Et de la preuve, le dernier match contre Marseille, tout seul, il a fait échouer à toute une dizaine d'occasions des Marseillais. Et je crois que Pascal Lemeta, c'est un gardien de but hors de commun. On dit toujours de Pascal Lemeta que c'est un grand gardien. On le dit plus maintenant qu'on ne l'a jamais dit. Il est à la une en ce moment. Et l'équipe de France ? Ben, je vais dire, il y a l'équipe de France et l'équipe de la France. Peut-être que celle qui... L'équipe de la France, je crois que je ne peux pas y arriver. Parce que peut-être que symboliquement, quand je porte cette tête de mort, c'est vraiment au fond de moi-même pour montrer que les Corses sont à la place de partout. Non pas seulement que sur une île et tout. Je dis que moi aussi, il y a passé un moment, je pouvais avoir ma chance en équipe de France, on me l'a jamais donné. Est-ce que si ça dérange parce que je suis Corse ou parce que j'ai du tempérament, mais ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, on ne soit pas à la Coupe du Monde en Italie. Ouais, Pasqua! Ouais, Pasqua! Mais t'es là, les mecs! Oui! Allez, viens, viens, viens! Viens, viens, viens. Oh, viens là! Dorge! Doucement, doucement! Hé, Pasqua! Allez, marche à l'ombre! Tiens, viens, viens, calme-toi, calme! Pasqua! Lorsque vous avez commencé à jouer au football, vous gagniez, disons-le, beaucoup moins que maintenant. Oui, oh là là, c'est vraiment d'en parler. J'ai commencé à Vichy, c'était vraiment une préparation et tout. Quoi qu'on gagnait 1000 francs par mois. Après, je suis retourné à Bastia, c'était 5000 francs. Ensuite, ça a été le pont à Toulon, j'ai atteint les 35 000. Et puis après, ça a été la proposition du Matra, où c'est que là, ça a carrément triplé. Et c'est là où ça a commencé à vraiment se décider pour ma carrière et tout. C'est là où j'ai compris qu'il fallait être sérieux, devoir investir et tout. Et je crois que tout joueur doit être sérieux au maximum sur ces données-là, parce que ça vient tellement vite qu'après, on est obligé de retravailler. Pour moi, personnellement, il y a eu un temps à tout, c'est de vouloir réussir au plus haut niveau. Je pense que j'ai atteint un certain point et tout.
J'ai eu le sérieux nécessaire qu'il fallait pour arriver aujourd'hui à ce stade-là. Et puis maintenant, j'essaye de m'éclater au maximum et tout. C'est sûr qu'il y a toujours l'argent qui rentre en compte et tout. Il y a un certain avenir à assurer, puisque la carrière est tellement courte qu'il faut être sérieux aussi. Comment verrais-tu, toi, Ben? Per oggi è bon, so veramente bene. So bene come va meglio tutto, come muoiamo via ora. La sola una cosa che ha aiutato una casa in Corsica, bon, non c'è più, bon, non è mica un problema. Ha già ritornato in Corsica, perché la Corsica gli ha morito. È veramente qualcosa che mi tocca più qua. E seguire è veramente qualcosa di... per tutti, oggi sono qui, sono footballeur perché per tutti i corsi del nostro paese, della nostra isola, voglio essere un portatrappo di tutti i corsi. La famiglia è qualcosa di importante o quando tu giochi non pensi che un gioco e poi così non ci pensi più? No, per me la famiglia è veramente qualcosa che mi fa riuscire oggi. Per me, a momo e a movio, so o più che conta, li amo vita. E dopo sono i miei amici. Ognuno ha il suo significato, la sua definizione dell'amicizia. Per te, che significa l'amico, l'amicizia? Per me i miei amici sono veramente chi sia chi mi vogliono vita. Chi sia chi... non è mica sai, è vero. Hai l'amico, come si dice, non odio e tutto, ma veramente l'amico. Io posso contare non ti muovi. E questi qui, oggi sono qui, sono footballeur e tutto, ma domani a so chi sarà sempre con questi amici qui, avrà n'importa che problema e tutto, saranno dare da me. Ti sei fatto amici con gente che so, corsi sicura, ma anche continentali, frustieri certe volte. Hai amici di tutte le razze? Lo più che rimane in conto sono sempre i giocatori di... i giocatori come Enzo Francescoli e tutto, che hanno lo stesso carattere che noi e tutto, sono veramente di usudo qua. Sono gente che vogliono che si arrizzano una mano con un sorriso in bocca e tutto, e qui sono i miei amici. Mi sono fatto due o tre amici qui, pendente che era qui in Parigi. Sono Enzo Francescoli, Robin Paz, sono questi gente qui. Come entrato un numero uno di un sport in corsa era Domenico Colonna, era gol. Dopo, se ne può citare un po' così, c'è stato Michele Carreca e avanti, diciamo, semplicemente così, di Pascallo Almeta. Rappresenta qualcosa di essere un numero uno in sport per un corso? Per me, io più chi mi tocca perché voglio essere quello che fa... Mica io... un mio nome. Voglio che un mio nome si che tutto il mondo si guardasse da un mio nome per dire noi corsi siamo veramente che persone aperte a tutto il mondo, perché abbiamo questa volontà di fare qualcosa. Da riesce, voilà.